Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du Mano Makers Day. Qu'est-ce que c'est que le Mano Makers Day? C'était jeudi 3 novembre dernier, donc il y a à peu près 3 semaines. C'était les amanches de Mano Mano qui ont invité plein de makers pour une journée sur Paris. Qui est-ce qu'il y avait? Alors, il y avait des makers italiens, il y avait Giuseppe de Makers at Work, il y avait Matteo de Matelet, il y avait des espagnols, il y avait Joachim ou Joachim, je sais pas comment on dit ça. L'ami Carlos de Cactus Workshop. Il y avait des Anglais. Il y avait Suzanne Gardner qui répare et fabrique des guitares. Il y avait l'ami Bongo de The Poultry People. Complètement starbose, complètement génial. Il y avait Chris qui nous vient du Portugal de Get Hands Dirty. Et il y avait une Allemande, Laura Kampf. Génial. Et il y avait votre serviteur, bien sûr. Quel était le but de cette journée? Le but, c'était d'abord de rassembler justement tous ces makers européens. C'était super sympa, vraiment. Et la démarche de Mano Mano, j'ai trouvé, était intéressante et plutôt saine. Pour ceux qui ne savent pas, Mano Mano, c'est une place de marché spécialisée dans le bricolage et le jardinage. Enfin, il donne la possibilité à des personnes de vendre des perceuses, voilà. Et ils sont implantés aujourd'hui en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Et ils projettent de s'implanter dans d'autres pays. Établir de bonnes relations avec des gens, des créateurs de contenu qui font des vidéos sur le bricolage ou sur le jardinage, c'est quelque chose d'important. Donc ils ont décidé de nous rassembler pendant une journée pour qu'on puisse discuter des trucs qu'on fait à droite à gauche. Pas d'arrière-pensée spéciale, pas de sponsoring spécial ou de trucs comme ça. Le but c'était juste de dire on vous aime bien ce que vous faites. On aimerait travailler ensemble, on sait pas trop comment, mais déjà, la première chose, c'est de se rencontrer, de discuter, de boire des coups et de faire des trucs sympas. Vas-y, dis un truc super intéressant. Alors, moi, je suis un grand fan du barbu, mais du coup, j'ai plutôt la moustache attitude. Ça le fait pas, en fait. Bah, ça le fait pas. C'est qu'une demi-barbétitude, la moustache attitude. Je trouve cette approche très saine, très sympa. Et c'était vraiment génial. C'était vraiment génial parce que tu aperçois en fait très vite que peu importe la langue, peu importe le pays, on parle tous le même langage qui est celui de makers, c'est-à-dire faire des trucs. Que tu sois espagnol, français, allemand, anglais, italien, tout le monde est dans la même démarche et tout le monde est dans le même délire. Et sur les 8 personnes que j'ai rencontrées, j'ai pas trouvé un connard. Tout le monde était super sympa. J'ai découvert des gens que je connaissais pas, en particulier des Italiens et des Espagnols, et c'est normal, parce que leurs vidéos sont en italien ou en espagnol. Ce qui fait que maintenant je regarde des vidéos dans des langues que je comprends pas. Mais c'est pas grave. Alors, la communication était parfois un peu compliquée. On parlait principalement en anglais, mais c'est vrai qu'il y avait 2-3 personnes qui maîtrisaient pas trop l'anglais. Et heureusement, il y avait le support technique, on va dire, des committee managers des différents pays qui faisaient des traductions en live. C'était plutôt fun. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des petites interviews un peu marrantes. D'ailleurs, il y en a une qui doit sortir dans pas longtemps sur le compte de Mano Mano. Je mettrai un lien dès qu'il sortira. Et surtout, on a pu discuter, on a mangé. Ils ont expérimenté. Laura et Carlos ont essayé l'andouillette. Ça les a pas sublimés plus que ça. Voire même, ils ont pas aimé du tout. Mais ça fait partie de l'expérience parisienne et c'était rigolo. On s'est vraiment bien marré. Et c'est vraiment un plaisir de passer du temps avec des gens pareils, créatifs, sympas, ouverts.
et qui font plein de trucs. Je peux que vous inciter à aller sur les différentes chaînes que je vais mettre dans la description, parce que c'est tous des gens géniaux, et c'est tous des gens qui font des trucs vraiment, vraiment bien. On a fini chez les Aminges de YouTube, pour leur faire visiter un peu le YouTube Space. Mais c'était une façon de finir un peu en beauté cette journée, qui était vraiment sympa. J'ai dû me barrer un peu plus tôt parce que fallait que j'aille m'occuper de ma fifille, mais globalement c'était vraiment génial. J'ai vraiment hâte qu'on puisse se revoir, parce que il y a des gens qui sont super cool. On a eu des discussions géniales, quoi dire d'autre? C'était vraiment bien. J'attends la deuxième édition avec impatience. Ça m'a vraiment donné envie d'aller faire un tour d'Europe, des makers à droite à gauche, d'aller dire bonjour aux Aminches dans plein de pays et de voir comment ils font. Et en fait, ils font comme nous, globalement. Ou peut-être qu'ils ont d'autres idées, enfin, je sais pas. Bref, c'était vachement intéressant. C'était vraiment un plaisir de rencontrer tous ces gens. Petite info, ma fille est complètement starbos, est complètement fan de Laura et de Chris. Donc je lui ai filé des autocollants et était super fier de ces nouveaux autocollants. Une journée vraiment fun. Alors, j'ai pas pris beaucoup de vidéos, j'ai pas pris beaucoup de photos, parce que mon but n'était pas de jouer au reporter à deux balles. Mon but était vraiment de profiter de cette journée-là avec des gens qui venaient de temps en temps de très loin. Donc mano mano, merci. Merci à Laura, merci à Chris, merci à Giuseppe, merci à Matteo, merci à Suzanne, merci à Bongo d'être venu sur Paris.